Ah oui, j'avais un mot à te dire, Magali. Oui. Oui, je sais que tu as de très bons résultats et que tu es l'une des plus anciennes dans l'équipe, hein, que tu es très appréciée par tes collègues et même la direction. Merci. Alors, justement, comme tu es une sorte d'exemple dans l'équipe, j'aimerais que tu puisses aussi donner l'exemple sur les horaires. Oui, c'est important que tu arrives à l'heure le matin, en réunion, que tu sois ponctuel d'une manière générale. Attends, quand est-ce que je suis en retard ? Bah, le matin. Hein, tu n'arrives jamais avant 9h, on t'attend toujours pour commencer les réunions. Attends, je crois que t'es pas un modèle du genre. Oui, mais moi j'ai des responsabilités qui font que je ne suis pas maître de mon temps. Et encore une fois, le plus important, c'est que tu montres l'exemple aux autres. Eh bien, si tout le monde faisait comme moi, on dépasserait les objectifs tous les mois. Je sais bien, Magali. Le plus important, c'est bien les objectifs, non ? Mais oui, bien sûr, mais... Mais alors, qu'est-ce que tu viens me chercher des poux sur les horaires ? J'ai l'impression que tu te concentres sur des détails complètement inutiles, alors que l'essentiel est ailleurs. Moi aussi, j'ai des responsabilités, moi aussi, j'ai des contraintes. Et pour l'instant, c'est moi qui ramène le chiffre. Attends, Magali, je te disais ça comme ça. C'est pas le plus important, c'est vrai, mais ça compte quand même. Bon, bah si c'est pas le plus important, je verrai ça plus tard. Oui, vois ça quand tu veux, mais pense-y quand même.